never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. Moi c'est Anaïs. Et moi c'est Tony. Et on va vous présenter Oasis. Le projet Oasis, comment il est né? Eh bien... ça fait déjà 6 ans qu'on vit tous les deux en camping-car sur les routes. Là, on a eu 3 camping-cars en France, 6 camping-cars en Nouvelle-Zélande, 2 en Australie. On avait une liste de critères vraiment précises voilà. Au fur et à mesure et on ne trouvait pas de véhicule proprement adapté vraiment sur le marché. Donc on a décidé tout simplement de fabriquer le nôtre et donc du coup ça nous a pris 1 an et demi. Voilà, 1 an et demi de construction où on a fabriqué l'intégralité, y compris la caisse. C'est un porteur de 2002, Iveco Eurocargo, anciennement Nacelle EDF. On l'a acheté en mars 2021. Et donc il a 116 000 km lors de l'achat. C'est un 13 tonnes, on l'a déclassé en 11 tonnes 990 pour pouvoir rouler au-dessus de 90 km/h avec l'homologation VASP autocaravane. Concernant les dimensions, on est sur un véhicule de 4 mètres de haut, 2,50 mètres de large et 8 mètres, un petit peu plus de 8 mètres 20 en longueur. On lui a fait un petit lifting, on a changé tous les carénages avant, tout le pare-choc, les rétros, tout ça. On a acheté les pièces en Ukraine avant la guerre, ça nous permettait de lui mettre un bon coup de jeune. Donc on a acheté les panneaux frigorifiques chez Chiro, ils sont spécialisés dans la semi-remorque. Les murs font 65 mm d'épaisseur, ça donne l'équivalence niveau isolation à un mur de 30 cm. Pour assembler la caisse, on a eu pas mal de coups de main d'amis à nous et de famille. On a collé tout ça sur un week-end, donc on s'est rapproché en amont d'un chantier naval qui nous a permis de trouver une colle qui subit bien la torsion. Voilà. Qui subit la torsion. Toujours à sa place initiale parce qu'eux ils s'en servent pour coller les poules et les coques de bateau. Et suite à ça, pour la finition de la caisse, on s'est rapproché du carrossier du coup, Normandie Carrosserie, où on a fait faire toute la peinture, les cornières, la mise en place des fenêtres. On a fabriqué des caissons sur mesure pour avoir un maximum de rangement parce que c'est toujours le nerf de la guerre dans ce genre de véhicule. On a le même de l'autre côté au niveau outillage. Celui qui est devant, c'est pour le réservoir de gasoil, les bouteilles d'air. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est le réservoir et le tel flow parce qu'on a l'option tel flow. Donc l'option tel flow, c'est l'air sur les pneus. On peut dégonfler nos pneus et les regonfler en fait selon le sable ou selon notre utilité en fait. Alors ça a été vraiment la dernière chose qu'on a fait sur le camion, le porte-secours et futurement le porte-vélo. Voilà. Donc là-dedans, il y a tous ceux qui nous ont aidés là-dessus parce que ça a été quand même une partie vraiment pas simple. Bisous les forains. Et on en est vraiment très contents. À l'utilisation, on est tous les deux tatoués donc de la même personne. Donc un clin d'œil à Katia qui nous a dessiné du coup les stickers, qui est une carte blanche et franchement, voilà, elle a assuré. Merci beaucoup Katia. Alors, niveau électricité, on est équipé de 4 batteries 100 Ah lithium montées en 24 volts. On a 1200 watts de panneaux solaires, donc 2 MPPT. On a un Orion 24-12 parce qu'on a des équipements en 12 volts tels que la pompe à eau, le sani broyeur et l'hydronique. On a 2 Orions pour charger quand on roule, donc 2 x 17 Ah quand on roule. On a l'Antarion 4G Boost pour avoir la 4G un peu partout. La particularité, c'est qu'on a un tableau 220 volts. On ne voulait plus avoir de 12 volts, de prise 12 volts à l'intérieur. Donc on est monté intégralement en 220 permanent, voilà, concernant l'électricité. Et quand on a vraiment besoin, on a un groupe électrochargeur. Ah oui. On a une caisse sur le toit, en plus, comme rangement, pour y accéder.
Étant un véhicule de 2002, on a un ancien tableau de bord. L'avantage, c'est qu'on n'a pas d'électronique sur ce véhicule, on n'a pas d'AdiBlue. Donc, pour faire les pays tels que l'Afrique ou l'Amérique du Sud, il est parfait. Voilà, donc on a mis quelques petites options. On a rajouté la tablette de chauffeur routier. On a rajouté des sièges tout neufs grâce à une bonne aide de Iveco en Normandie, chez Martena. On a posé les suspensions Scorpion 3 de chez Suspension Sport pour le confort de route. On a aussi en modification changé la boîte de vitesse. On était sur une boîte à rapport court à 5 vitesses et on a changé la boîte de vitesse pour mettre une 6 vitesses avec le dernier rapport en long. Donc moins de consommation, on peut rouler plus vite et moins de fatigue moteur. On a posé une petite douchette extérieure, c'est bien pratique. tu vois. Donc la particularité aussi, c'est qu'on a bien vraiment voulu profiter du toit. Donc on a décidé de faire le toit terrasse, parce qu'après tout, pourquoi pas. Et on a également, du coup, vous pouvez voir les panneaux solaires qui sont là-haut, qui sont vraiment inclinables des deux côtés pour pouvoir profiter au maximum du soleil. Maintenant que vous avez vu l'extérieur, venez, on va vous montrer l'intérieur. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Bienvenue chez nous. On a voulu faire un intérieur vraiment de tiny house pour avoir vraiment du volume, de la clarté, pouvoir avoir comme là aujourd'hui des beaux plans où on a sur une, voire deux ou trois fenêtres vraiment l'extérieur. Avoir des couleurs claires aussi, qu'on se lasse pas des couleurs quand on est dans un pays chaud ou froid parce que l'ambiance est quand même différente. On a voulu vraiment de la hauteur sous plafond pour être à l'aise et faire notre sport, en l'occurrence quand on a des pays froids. Du coup, la grande cuisine, parce que c'est vraiment, pour le coup, elle est vraiment très grande. On a vraiment des rangements, elle est vraiment fonctionnelle. Si on commence par ici, on a inséré ici le liquide vaisselle. Là, on a l'eau potable, parce qu'on a tout un système de filtration pour pouvoir boire l'eau, peu importe où on la pompe. Ici le robinet forcément avec voilà, de la qualité. Crédence en verre, des rangements en haut, donc les choses qu'on se sert un peu moins parce que bah, vous devez voir avec ma taille, c'est assez haut, assez profond. Donc on a vraiment le faitout, la crêpière forcément, l'appareil à fondue, la raclette, enfin tout ce qui va bien. Ici on a rangé toutes les épices. On est en plaque induction, donc full induction de feu, ça suffit largement, ça, il n'y a pas de souci. On a choisi des grands tiroirs qui sortent au maximum. Les portes où il faut aller chercher dans le fond, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. On est vraiment satisfait de notre choix pour le coup. Avec pour tous les boutons poussoirs pour bloquer les portes et tiroirs. Ici on a les poubelles, les fruits et légumes. Tout ce qui est bureau, imprimante, feuilles ici. Et ici, c'est une porte qui est, on va dire, facultative. Au début, on avait choisi de mettre un four. On s'est aperçu qu'on n'avait pas forcément besoin d'un grand four de maison. Donc, on a laissé l'emplacement pour mettre un four. Et au final, on a un tout petit four qu'on a là derrière. Et on a ajouté ce rail ici où on a pu avoir un peu plus de rangement. Mais le four reste tout à fait possible, on a laissé l'espace. On a fait le choix de prendre un frigo et congélateur de maison. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a cet équipement aussi grand et franchement on l'apprécie. Ici donc on peut voir en face, on a du coup la partie canapé. Il est assez fonctionnel ce canapé parce que c'est vrai que comme on a le tiroir, on peut le sortir. Donc ça nous fait un double lit d'amis. Si je reviens sur la partie ici, on va dire méridienne, on a la place de lever en fait le canapé. On a des rangements en dessous, ça nous permet d'ouvrir le congèle. Et on a accès aux différentes trappes en dessous, notamment celle-là qui est la plus grande parce qu'elle fait la hauteur d'ici jusqu'en bas de la caisse sur toute la longueur. Donc pour ranger les skis, pour ranger ces grandes longueurs par exemple un kayak, c'est parfait. Et c'est là aussi où on a tout le système de filtration d'eau pour pouvoir, donc du coup, comme je disais, pomper dans les rivières. Donc on a taillé ce canapé sur mesure pour pouvoir s'avachir exactement dedans. Comment on peut le transformer en coin table? C'est tout simple, on descend en bas, il y a des aimants, hop, on chope la table. Voilà, c'est transformé en coin pour déjeuner. À 3, c'est super, on est vraiment très confort. Et à 4, on rajoute une chaise de camping, quoi que ce soit, c'est rapide et on est très bien aussi. Après, du coup, l'avantage, c'est pour ranger, c'est rapide.
Tac. Après, l'option. L'idami. Et pour les dimanches, Netflix quand il pleut. Alors, sur cette caisse aussi, ce qui est important de dire, comme on a dit au début de la vidéo, à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Donc en dessous de nous, on a un faux plancher, un double plancher de 30 cm. Tous les réservoirs sont en dessous, tous les câbles, tous les tuyaux. Donc tout ce que vous voyez ici au niveau de l'ameublement, dans le lit, dans l'escalier, dans le canapé, même dans la cuisine, il n'y a pas du tout de réservoir, pas de tuyaux, tout passe dans le sol. Ce qui fait qu'on a quand même pas mal de rangement, même si ça a l'air épuré et vide. Comme on disait tout à l'heure, on voulait avoir de la place pour pouvoir faire notre sport dedans l'été comme l'hiver. Donc vous avez vu, on a pris la place spécialement pour avoir un tapis en plein milieu. On a notre TRX ici qui est accroché là-haut. On a notre kettle ici de réglable. En dessous, on a une trappe accessible avec d'autres haltères, des poids, des élastiques de différentes sortes. Et ici, on est tout à fait, on a tout à fait l'espace pour pouvoir bouger comme on veut, tous les deux sans se gêner. Donc ça, c'est hyper agréable. Alors, on a travaillé aussi en collaboration avec Aménage ton aventure pour pouvoir faire les plans. Donc, c'est un copain à nous, donc salut Anto, qui se met à son compte dans les plans pour camion, van, tout véhicule. On a travaillé avec lui en collaboration pour avoir vraiment cette idée de design. Il nous avait fait des plans 3D qui nous ont vraiment super bien aidés. Et il a résolu une question qui était, on voulait pouvoir profiter du toit terrasse, mais on ne savait pas comment inclure un escalier. Et alors un escalier dans un véhicule d'aventure pour pouvoir l'optimiser, avoir des rangements, que ça soit chouette, et ben franchement on a réussi à trouver un bon compromis. Vous pouvez voir là qu'il y a des rangements partout, il est pratique, il est fonctionnel, il coupe l'espace en deux sans vraiment enlever de luminosité. Donc franchement on est vraiment content de ça. Voilà un petit peu, du coup on a ici double dressing avec miroir qu'on a fait faire sur mesure. On a divers rangements ici qu'on a pu ranger dans des bacs, du coup, pour que ça soit bien plus pratique. La niche est quand même vraiment parfaite avec tous les livres qu'on a, on va se le dire. Placard à chaussures en bas. Et ici, les marches sont faites en plan de travail, donc pour l'entretien, c'est parfait, le stratifié est bien. Ici, voilà notre lit. On a voulu avoir des angles arrondis pour que le passage soit plus dégagé, que ce soit plus harmonieux. On a des tiroirs en bout de lit qui s'ouvrent jusqu'au bout. Chacun a un tiroir. On va vous montrer juste après, mais ici et de l'autre côté, les espaces techniques. Tout est facile d'accès et rapide en cas de problème. Donc, comment ça se déroule? On a l'aspiration d'eau qui se fait par la pompe à eau Marco en 26 litres minute, qui envoie tout ça dans mon distributeur en passant par un filtre 0,5 micron de mémoire. Et après, donc, on a notre distribution en eau froide. Donc là, ça part sur la machine à laver, les pieds de sa salle de bain, voilà, la douchette extérieure. On a la particularité d'avoir une lampe UV LED, donc pour la potabilité de l'eau, vendue par Carapace Aménagement. Et puis on a le chauffe-eau donc, qui est en dessous de moi, donc distribution du chauffe-eau en eau froide et qui revient en eau chaude derrière pour distribuer donc l'évier, tout ça, la douche en eau chaude. On a dit tout à l'heure qu'on avait fabriqué un faux plancher de 30 cm pour l'isolation, pour que tout soit protégé. L'avantage, c'est que on a énormément de techniques dans ce plancher, donc on peut travailler de l'intérieur. Ça, c'est vraiment cool quand il fait pas beau. Donc là, on a le chauffe-eau branché sur le moteur avec le liquide de refroidissement et donc l'hydronique D4 qui est juste ici. Là. C'est notre tableau de bord pour l'eau et le démarrage du groupe électrogène. Donc là, on sait en permanence ce qu'on a en eau. Voilà, les eaux sales, les toilettes et les eaux propres. Puis après, donc là, tout ce qui est pour le démarrage et le contact du groupe électrogène pour l'instant où j'ai pas encore d'interrupteur. Je vais le lit pour avoir accès intégralement aux soutes de rangement en dessous. Donc ce qu'il y a en dessous, c'est vraiment des affaires qu'on se sert pas tous les jours. Voilà. On a fait le choix de mettre un sani broyeur de bateau avec une cuve de 250 litres, ce qui nous laisse quand même une certaine autonomie. Juste après, on a du coup le meuble miroir avec des rangements en haut et en bas, suivi de la douche traversante. Et comme on se sert très peu de la machine à laver, mais que c'était un critère indispensable, on a choisi de la mettre au fond. Elle est également séchante.
Juste au-dessus, on a le Multiplus de chez Victron qui nous assure le 220 volts permanent. Et tout au fond, on a du coup des rangements et le Dyson qui est accroché. Le but de ce projet, c'était réellement de démontrer que c'était possible dans un véhicule d'expédition d'avoir un intérieur de tiny house très confort, très moderne. Cosy, lumineux. Voilà. Avoir un canapé. Du volume. Voilà, on voulait prouver que c'était possible, que c'est pas tout le temps les mêmes véhicules. On voulait aussi prouver que malgré notre âge, 26 et 30 ans, c'est possible d'avoir ce genre de véhicule si on le fait nous-mêmes. Il y a des financements qui existent. On n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, pas du tout. On a fabriqué le camion de nous-mêmes avec de l'aide extérieure, mais voilà, intégralement de notre poche. Et à ce jour, au niveau utilisation, on est surtout très content. On se rend compte qu'on a fait énormément de bons choix. On s'en rend compte au quotidien. On est vraiment très content de ce qu'on a fait. Voilà, donc là, on est déjà en train de réfléchir pour le prochain. Non. Oh. On verra. Bon, on espère que ce petit van tour, en tout cas, vous a fait plaisir. Nous, il nous a fait super plaisir à tourner. C'est notre premier van tour et on est super content d'avoir fait sur ce véhicule. On aura d'autres qui arriveront sur la chaîne, mais voilà, celui-là, ça nous tenait à cœur de commencer par ce véhicule et par Tony et Anaïs, donc on est super content de l'avoir fait avec eux. Et si vous avez besoin de retrouver toutes leurs infos, on va les mettre dans la barre de description. La bise les petits potes. La bise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets.